Bonsoir. Ok, on va la refaire, hein. Bonsoir. Voilà, c'est ça que j'aime chez vous, c'est votre enthousiasme. Oui, en même temps, je sais ce que vous dites. Vous dites, tiens, mais que fout mon prof d'histoire géo sur cette scène? Et je vous comprends, hein. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui n'auraient jamais vu mon show à Vegas, et apparemment, il en reste, je me présente, je m'appelle François Martinez. C'est gentil. C'est gentil parce qu'à la base, c'est pas ouf comme nom de scène. Non, c'est-à-dire, heureusement qu'on annonce magie, parce qu'à ce moment-là, je vois une espèce de désir qui s'installe dans vos yeux. Notamment chez toi. Ah si. Si, parce que depuis que je suis arrivé, tu n'as pas regardé au-dessus de cette zone. Voilà. C'est moulant, hein. Spectacle 3D. On a du budget. Non, et puis je le vois dans tes yeux, ce « Oh mon Dieu, fais-moi rêver, saltimbanque, use de ta magie et je serai tienne. » Ok. Ah, je me dégonfle pas devant les défis. On y va. Gros budget. Bah de rien. On sent que t'as l'habitude d'avoir des trucs gratuits. Et puis toi, c'est ta millénaire à côté, hein? Détends-toi, si on pouvait pécho avec des roses, les Pakistanais seraient riches. Bon. Donc ouais, effectivement, on est d'accord, François, ça fait pas rêver. Heureusement que j'ai des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que... Si, y a des François dans la salle? Non! Bah oui! Ah bah c'est périmé, donc Ah, quand tu respectes tes enfants, tu ne leur donnes pas ce prénom. Donc, Non, puis si en plus à ça, tu rajoutes mon physique et Martinez, bah alors là, le public est persuadé que je suis plus doué pour poser du carrelage que pour faire apparaître des bagnoles. Alors que sincèrement, moi, là, je pourrais te faire disparaître le Carlton juste en claquant des doigts en quelques secondes, comme ça, là, pff, vanishing. Pardon. Voilà. Ouais, toujours penser à le remettre. Ah bah sinon, les touristes sont paumés. Donc, dis donc, chérie, c'est moche, en fait, Cannes, on dirait Nice. Ah, vous êtes venus, malgré les trains, les grèves, nickel. Voilà. Donc, alors par contre, ça c'est un avantage, mais c'est vrai que quand tu annonces magicien, il y a deux autres clichés qui arrivent. Le premier, t'as toujours un mec qui fait « Ok, super, il va encore nous faire des tours de cartes, Gérard Majax. » Ok. Ah, je suis pas le genre de mec qui se dégonfle. Ah oui, alors j'ai mis un grand paquet de cartes, parce que généralement, partout où je joue, il y a une bonne moyenne d'âge. Ah, tu vois, ceux qui n'ont pas réagi n'ont pas entendu. Hein, donc, bon... comment tu t'appelles? Eric. Eric, salut Eric. Eric, je vais te confier le paquet de cartes. Ok Eric, je vais te demander de le tenir comme ça au-dessus de ta tête. Tu es le gardien du paquet de cartes. Eric, tu vérifies que personne ne touche à ce paquet de cartes. Et le deuxième cliché, quand tu annonces que tu es magicien, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui se dit « Putain, ça y est, ça va tomber sur moi. Je vais devoir monter sur scène. » Rassurez-vous. Ouais, c'est toi. Hein. Après, c'est un enfant, je fais pas les enfants. Comment tu t'appelles? Bah toi, bah oui, si tu poses la question, c'est que c'est toi, hein. Putain, qui ça, il me fixe, le mec, ok. Comment tu... Alex, tu as réfléchi sur ton prénom, c'est compliqué, ok. Alex, tu veux bien venir avec moi? Eh ben oui. Oui, eh ben on peut applaudir Alex, s'il vous plaît, vraiment. Ça va, Alex? Bof. Comment ça, bof? J'avais pas prévu, quoi. Bah c'est le concept, hein, un peu, et voilà. On appelle l'inattendu. Ok, je te sens stressé, Alex. C'est normal. Ça me ferait le même effet si je montais avec moi. Donc, Alex, je vais te donner un petit truc pour te détendre. Légal. Ouais. Alors, c'est-à-dire que tu vas faire la même chose que moi. Tu vas mettre tes deux pieds bien parallèles comme ça, face au public. Maintenant, Alex, tu fixes un point au fond de la salle. Ok, tu ne le lâches pas des yeux. On appelle ça l'ancrage visuel. Ne le lâche pas. C'est le concept. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, tu me détends bien les épaules. Tu relâches bien les bras le long du corps, Alex. Tu ne lâches plus le point. Et Alex, tu n'entends plus que ma voix. Tu n'entends plus que ma voix, plus ma main... Non, je déconne. Hein? Mais tu t'es détendu. Allez, Alex. Alex, je t'avais promis un petit tour de cartes. Qu'est-ce que j'ai foutu du paquet? Non, je connais mon texte. Détends-toi. Voilà, ouais. Mais c'est gentil, hein? C'est gentil. Tu veux participer? Ça fait plaisir. Que de l'amour. Hop. Alors, juste, tiens, je vais te confier ce petit paquet, Alex. Voilà. Oui, il n'y en a pas. Très beau, y en a pas. Très beau. C'est vrai? T'es à fond dedans, je te kiffe. Alex, nickel, bienvenue au Pays des Merveilles.
Alex, oui, tu le prends. Voilà, tu prends la taille que tu veux. Et maintenant, Alex, tu mélanges le paquet, tu mélanges les cartes. Ok, je veux que les cartes soient dans l'ordre. Alors, déjà, sors les cartes de l'étui, s'il te plaît. Parce que là, tu mélanges un étui, c'est compliqué. Ça sera pas aléatoire. Voilà, tac, jette l'étui dans le public. Voilà, hop, hop. Tu as failli blesser le monsieur. C'est bon, on a une bonne assurance. Ok, maintenant, mélange le paquet, mélange le paquet, mélange le paquet. Voilà. Non, non, ok. Mélange plutôt à l'américaine, ça portera moins confusion sur ce que tu fais. Ok. Alors, on dirait que t'étires un truc, je sais pas ce que tu fais. Ok, très bien, non, c'est bon. Non mais c'est ton mime, fais-toi plaisir, c'est ton moment, c'est ton kiff. Ok, voilà, très bien, tu mélanges, tu mélanges. On est d'accord, les cartes sont bien mélangées. Maintenant, tu imagines au-dessus de toi une boîte qui flotte. Ok, cette boîte est reliée à une poulie. Au bout de la poulie, hop, une corde comme ça. Je récupère la corde. Je vais amener la corde à... Comment tu t'appelles? Jacques. Salut Jacques. Jacques, ton prénom? Eric. Excellente mémoire, Eric. Très bien, j'avais déjà oublié. Alors, tac. Toi, c'est... Jacques, Jacques, tu tiens la corde, ok? Tu ne lâches plus cette corde, ok? Tac, poulie, ok. Alors, fais-nous descendre un petit peu la boîte quand même, s'il te plaît. Ah, très bien, dans le bon sens, tu as ton permis, ça fait plaisir, Jacques. Ok, juste, la boîte est à peu près ici, devant toi, maintenant, je veux que tu prennes... Ah oui, tu as lâché le paquet, tu t'en fous, très bien, bah écoute. Ah oui, c'est tombé en tas, c'est joli, ok, très bien, tac. Tu prends le... Non, mène-toi, j'ai que 7 minutes, ok? Ok, très bien, juste, tac. Mets dans la boîte, comme ça. Voilà. Ah, elle était plus basse, mais c'est pas grave, fais-toi plaisir. Tu tiens quoi là? Voilà, pas... Ok, juste. Bam. C'est dans la boîte, non, c'est dans la boîte. Lâche, voilà, ok. Relax, souffle, tout va bien. Maintenant, tu attrapes la boîte et tu mélanges la boîte. Tu mélanges la boîte comme ça, tu mélanges les cartes qui sont à l'intérieur. On est d'accord? Quand tu estimes que c'est bon, ça. Ah, ah oui, ouais, tu te fais ta chorégraphie Bollywood. Bim. Jacques, remonte la boîte, Jacques. Alors, lâche la boîte, sinon ça monte pas. Voilà, parfait, nickel. Ok, je reviens. Donc la boîte est là. Concentre-toi bien, Alex, voilà ce qui va se passer. Jacques, dans quelques instants, je vais claquer des doigts. Au moment où je claque des doigts, tu cries « PAN !» C'est le bruit de la boîte qui explose. Au moment où la boîte explose, je veux que tous dans la salle, comme ça... Tu veux... Moi, je sais plus. Oui, fais ta vie. Voilà. Au moment où ça fait « PAN !» Vous faites ça comme ça. C'est le bruit des cartes qui tombent sur la scène, ok? Au moment où les cartes tombent, Alex, tu attrapes une carte comme ça, mais tu ne la regardes pas tout de suite. Tu es prêt, Alex? Ok, c'est parti. Jacques? Voilà, détendez-vous, il n'y a que 52 cartes, ok? Bon. Pour la première fois, Alex, est-ce que tu peux nous annoncer à voix haute, nous annoncer, c'est mieux, à voix haute, la carte que tu as attrapée, comme ça, voilà. L'as de pique. Est-ce que tu veux changer? Oui. Ouais. Ah oui? Ok, radical, ouais. L'as de trèfle. Ok, mais c'était aucune des deux. Alors, eh ben merci, on peut applaudir Alex, merci. Tu as été parfait, ben voilà. Hein. Non, laissez allumer, sinon on fait une disparition gratos. Voilà, nickel, ok, parfait. Voilà. C'est con de finir là-dessus, parce que c'était bien jusque-là. Eh bien, si vous voulez savoir comment se termine ce tour, je suis en tournée dans toute la... Non, j'ai conne, je peux pas vous laisser là-dessus. Je vais juste récupérer le paquet, en fait, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai un petit rituel avant de jouer, de monter sur scène. Comme j'angoisse un peu, je prends toujours un paquet de cartes et je mets une carte à l'envers, dans ce paquet, voilà. Et on voit pas les fils. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, je mets toujours une carte à l'envers dans ce paquet. Et la carte de ce soir, bam, c'est le Joker. Parce que ça remplace toutes les cartes, hein, quand les gens ils disent pas la bonne. Voilà. Non, je déconne. Je déconne, effectivement. Non, ce soir, j'ai mis une carte à l'envers dans ce paquet, mesdames et messieurs. Et la seule carte qui est à l'envers, comme par hasard, ça va être la toute dernière. Mesdames et messieurs, bim, c'est l'As de trèfle. Le talent. Eh ben, j'aurais pas mieux que ça. Et bim, truc de dingue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.